Bonjour et bienvenue sur Les Louvres, la Web TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet ultime numéro des Louvres, la Web TV spécial été. Aujourd'hui, je serai votre hôte confortablement installé dans le massif de Némont pour vous présenter ce troisième et dernier chapitre du Bêtisier. Vous retrouverez donc encore quelques ratés de tournage de votre présentateur adoré, mais aussi quelques séquences à mettre au crédit de certains de nos invités. Je vous laisse vous délecter et je vous retrouve juste après. Non, mais au début c'était trop. Et puis après t'étais moins. D'accord. Et donc ça faisait. Ouais, j'ai tout compris. Mais. Ok, 3 secondes. Après Christophe, oui. Après Christophe. les mots bleus. Quoi ? Nous présentons une autre des équipes de jeunes du club. Du club, pas du volley. Bah, une autre des sections des jeunes du volley, quoi. À la base. Ah bah oui, c'est pas une équipe de ping-pong. Pardon. Pardon. Et tu vas te calmer, hein. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais attention, hein. Parce que des présentateurs comme toi, hein, moi j'en fabrique un tous les jours. Parle tranquillement, on n'a qu'une émission de 15 minutes. Bah oui, je sais. Faut qu'on la remplisse. Hein. Oh là là, bah, j'ai 2-3 blagues là. Entre deux matchs de play-off. Ah, fallait que je la fasse. Oh putain, je l'ai perdu. J'ai perdu Pierre-Yves, ça y est. Et nous retrouverons dans les actus du club avec bien sûr les résultats des matchs du week-end dernier et le programme du week-end à venir. Le programme est un peu plus chargé que la semaine dernière et Pierre-Yves de toute façon est en train de bouder, donc on va la refaire. Ah oui, non mais si, c'était bien, j'avais dit on en refuse même pas cette semaine, hein, parce que tu m'as fait enlever aujourd'hui, donc si c'est pas aujourd'hui, c'est pas cette semaine. D'accord, ok. Bah oui, faut savoir ce que tu veux. Bon, je pourrais bosser là. Je sais pas. On devrait consulter. Heureusement que les séances psy sont remboursées. Hein, parce que oh la vache. Sinon, je fais la dernière émission comme ça. Bienvenue aujourd'hui pour la nouvelle. Alors, c'est un mélange de Stitch et de Gollum en fait. Oui. Vous l'avez attendu, la voici, la dernière joueuse de la meute. C'est nul. Un one shot. Bravo. Bravo. Pour commencer dans cette actu samedi soir à l'occasion de... L'allocation entrée. Pour commencer... Et tout de suite arrêter. Pour commencer dans l'actu samedi soir lors de la rencontre des loups face à Le voilà. T'enlever tes pompes. Bah oui. Moi aussi. Toi aussi. Moi j'en mets pas. Ah putain, en plus ça fait penser, j'ai un trou au bout de ma chaussette. Oh la honte. Surtout qu'en plus... Vous avez pas des chaussettes le Prestatec événement? Regardez, j'ai un trou. Ça y est, il craque complet. Sur les chaussettes là. Oui, mais on voit jamais ma tête, donc on s'en fout. Je décline toute responsabilité. Les Louves affronteront les championnes de France élite 2021-2022. Les joueuses... Oh là là là. Là, c'était mode Chewbacca. Ah, faut faire du contenu pour cet été. Hein. Dès que tu seras prêt, tu me feras ton clapounet. Clapounette. Je pourrais avoir mon petit écran. Pardon ? Un petit écran, là. Comment on dit ? S'il te plaît. Bon. En fait, faudrait que tu me laisses la caméra et puis je me démerde. Voilà. Faudra la graisser, hein. Même alors un peu plus. Même mamie, elle grince pas. C'est la fin de la saison. Même mamie, elle grince pas comme ça. Alors ici, on a pas mal d'activités justement pour pouvoir Vas-y, laisse tomber. Tu sais, quand j'étais jeune, je copiais sur tout le monde, tu vois. Alors là, bah, du coup, je dois le faire tout seul. Hein. Je fais partie des 5 derniers. Et détail très important,
Au-dessus, il y a des frères et sœurs. Mais les cinq derniers, ce sont deux garçons, une fille, Annie, et deux autres garçons. Donc, je grandis entouré de quatre frères. Et évidemment, ça commence juste, mon grand. C'est moi. C'est ma faute. Me revoilà. Donc, en quoi consiste le poste de centre? Alors, centre. Non, attends. Est-ce que c'est... Alors. Et donc, comment est-ce que tu as été recruté à l'université? Bah, du coup, quand je jouais à Béju, j'ai joué contre Saint-Dié. Et j'ai été recrute. Tu regardes le cœur! Non, parce que j'attends juste que tu me dises que vous êtes fait la lunette. En plus, si mon ancien club il entend ça, ils vont me tuer. Tout, c'est marrant. Alors, comment s'est passée ton intégration dans l'équipe à l'époque? Je parle vis-à-vis des joueuses plus anciennes, ou parce que toi, donc, tu quittais un petit peu ta ville pour arriver ici, faut le voir, à la campagne. Ouais. Hein. Mmh. je sens c'est à vous. Fallait le faire en on a pas l'air, ça promet, c'est bien. Oui, moi j'aime bien le sport, hein, forcément. Hein. J'adore ça, j'en fais depuis tout jeune. J'ai commencé par le foot, je fais beaucoup de vélo, légèrement un petit peu de boxe, de tennis. Voilà, globalement. Mais sinon, toujours avoir une activité physique régulière. Oui. J'ai mangé 5 fruits et légumes. Pas toujours, mais. Merci à toi Cédric. Merci à toi Sébastien. D'avoir commenté le match avec moi. Merci beaucoup. Merci encore une fois les équipes de Prestatech Événements pour la qualité de ce live. Et je vais pas dire la qualité des images à l'heure actuelle. On est vraiment pas beau à l'image. Enfoiré Pierre-Yves. On vous donne rendez-vous très bientôt. Alors la création d'une équipe C, féminine volée, était un désir commun de plusieurs joueuses. Ben voilà, c'est parti de plusieurs personnes. Je me suis vautrée. Là je me ravache. On dira rien. Mais je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça, parce que bon, moi quand j'entends meilleurto.com, en fait je sais pas pourquoi, j'entends le furet.com, mais qui eux sont arrivés quand même beaucoup plus tard. Ah, vous êtes désagréable aujourd'hui. Si vous saviez, il n'y a pas quoi l'oreille. Heureusement qu'on se voit pas tous les jours. Non. Et on va tout faire pour gagner un maximum de points sur sa dernière phase de playoff. On a le droit de le refaire. Non. Allez. Si tu veux, on va faire là. Les bêtisiers de cette deuxième partie de saison sont terminés. C'est aussi le dernier numéro spécial de l'été. Mais rassurez-vous, les enregistrements de l'émission et les diffusions reprennent dès la rentrée sportive et nous aurons plein de choses à partager. Alors afin de ne pas le manquer, cette nouvelle saison des Louvres, la Web TV, abonnez-vous à nos réseaux sociaux sans oublier la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct. Aimez, commentez, partagez. D'ici là, profitez bien de l'été et je vous dis à tout vite depuis ce magnifique point de vue de Saint-Dié.